Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Kavi TV. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. C'est une scène incroyable qui s'est produite à Koloma sur le promo ce mardi. Un opérateur économique a été enlevé par des individus non encore identifiés, mais lourdement armés dans la course poursuite. Un motard a été tué par les ravisseurs. Témoignage à suivre dans ce journal. Et puis, Serou Guirassy est parmi les 5 finalistes dans la course au titre de meilleur joueur africain de l'année 2024. Auteur de 5 buts en éliminatoire, les chances de l'attaquant guinéen sont-elles réduites après l'élimination du Sili? Explication à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'insécurité de plus en plus grandissante à Conakry, à Koloma, sur le promo ce mardi, c'est un opérateur économique qui a été enlevé par des ravisseurs lourdement armés. Dans cette opération d'enlèvement digne d'un film policier, un motard a été touché par balle. Dans la famille de l'opérateur qui demande l'implication des autorités pour retrouver Elhadj Alassane Diallo, l'inquiétude est grande. Amara Bangoura et Guy Babari, reportage. La nouvelle a pris de court pratiquement tout le quartier. Alassane Diallo, opérateur économique de son état, a été enlevé dans la soirée de ce mardi dans des circonstances inhabituelles dans la zone. Enlèvement programmé ou non, selon Kadiata Diallo, tout a commencé quand son oncle est revenu de Madina. Comme tous les soirs, quand il rentre de Madina, il rentre à la maison, il part faire la prière. Et hier, il était sorti, il était accompagné de son jumeau, c'est un jumeau. Ils sont allés à la prière pour faire la prière de Asr. Et maintenant, à sa sortie, lui, il était devant, il y avait son jumeau derrière. Il y avait une voiture stationnée là qui l'attendait. Et du coup, on l'a tiré de force pour le mettre à bord de la voiture. Les ravisseurs d'Alassane Diallo seraient lourdement armés. Pour faire libérer l'opérateur économique, des taxis motards postés à quelques mètres du lieu de la scène se sont mis à les poursuivre. L'initiative s'est heurtée à des tirs qui ont coûté la vie à un jeune conducteur. C'est à notre présence qu'ils ont kidnappé M. Alassane à sa sortie de la mosquée. Nous les avons poursuivis sur nos motos jusqu'au niveau du commissariat central. Arrivés au carrefour Al-Janaya, ils ont commencé à tirer des coups de feu. Le temps pour moi de dire à mon ami de ne pas trop s'approcher du véhicule, ils l'ont atteint au niveau de la jambe et l'autre au niveau de la poitrine. Ils ne filaient même pas vite. Ils étaient dans une petite voiture de marque Ford Focus. À date, la famille est toujours sans nouvelles d'Alassane Diallo. C'est pourquoi elle demande l'implication des autorités pour retrouver l'opérateur économique. Une situation qui renvoie le débat sur l'insécurité grandissante à Conakry. Parlant justement de cette situation, le secrétaire général du syndicat des commerçants de Guinée entend faire une déclaration demain jeudi suite au kidnapping d'Elhadj Alassane Diallo et la mort du taxi motard à la Bourse du Travail CNTG. Quant au groupe organisé des hommes d'affaires Goa International, par la voix de son président, il invite les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour retrouver aussi vite cet opérateur économique afin d'éviter que l'effet temps affecte son intégrité physique et morale. Sollicite par la même occasion l'ouverture d'une enquête sur cet incident ayant entraîné l'assassinat du jeune motard. Le groupe organisé des hommes d'affaires lance encore une invite aux autorités du pays en général et aux forces de défense et de sécurité, en particulier à conjuguer les efforts pour mettre fin à ces genres de pratiques qui n'honorent pas la République et freinent l'élan des investisseurs et du climat des affaires dans le pays. Autre facette de l'actualité, bâtir une nouvelle Guinée, c'est la vision du président du mouvement pour le progrès, selon Dr Fodé Cissé. Il s'agira de garantir un développement durable, mettre de côté les différences ethniques et prôner l'unité nationale. Mais cette mission, pour lui, ne sera possible qu'à travers la mise en place d'un nouveau système politique et la création d'institutions fortes. Fatoumata Kane, Ansoubaï Le Baldé l'ont interrogé. Regardez.
Construire une nouvelle Guinée est bien possible. Cela, avec une bonne cohésion sociale, un esprit d'équipe, un nouveau système politique pour permettre à la Guinée d'oublier les mauvais souvenirs afin de valoriser la nation et garantir un développement. Pour ce faire, l'accent doit être mis sur tous les secteurs, explique Dr Fodé Cissé. L'accent doit être mis sur l'organisation sociale pour que les sujets qui nous fâchent, qui sont les mauvais souvenirs qui divisent les communautés, là, on puisse les oublier ensemble en mettant en place une bonne politique mémorielle, parce que les questions mémorielles n'ont jamais été abordées. Si on aborde ça correctement, on pacifie le terrain, on crée une cohésion nationale, on va construire une démocratie. Notre jeune démocratie peut se mettre en place. Et quand les gens auront la liberté de choix, il y a l'entente, chacun choisit le dirigeant qu'il veut, on va construire des institutions fortes. Et une fois que les institutions seront mises en place, écoutez, notre économie est en route là. Pour le président du Mouvement pour le Progrès, en défendant le développement de la Guinée et la politique communautaire, une réalité qu'il compte changer. Il faut qu'on apprenne à faire la politique pour la population, pour toute la population guinéenne. C'est par ce chemin qu'on peut construire la Guinée, et qu'on peut rendre la Guinée forte. Mais si nous continuons à faire de la politique pour nos différentes communautés, chacun pour sa communauté, on continuera à diviser la Guinée sur elle-même et on ne s'en sortira pas. La Guinée est un bien que tous les Guinéens ont en commun. Dr Fodé Cissé invite donc les citoyens à une unité nationale afin de préserver le pays, les divisions ethniques. La vie d'aucun Guinéen ne doit être, dissociée au destin de la Guinée. Et nous devons faire en sorte qu'on soit unis et forts. Parce qu'une maison divisée sur elle-même, cette maison ne peut pas tenir. La Guinée a été divisée longtemps sur elle-même. Il faut qu'on fasse en sorte que nous soyons unis. Parce que le malheur de la Guinée est toujours venu quand on a été divisé. Pour bâtir une nouvelle Guinée libre et émergente, l'espoir doit être la motivation de la population, alerte notre interlocuteur. Et puis, l'opération de paiement du droit d'auteur aux artistes guinéens a débuté hier mardi au siège du BGDA à La Minière. Cette opération du grand droit des artistes, toutes catégories confondues, intervient après 2 ans sans être exécutée. Un véritable ouf de soulagement pour les créateurs artistiques. C'est un public reportage réalisé par Mamadou Tanouba. Suivez. Plus de 2000 artistes guinéens vont toucher le grand droit. Ce droit est un apport de l'État en faveur des artistes dont les œuvres sont utilisées par les médias audiovisuels de service public. L'opération de répartition s'effectue dans l'enceinte de la cour du Bureau guinéen du droit d'auteur en présence du président du conseil d'administration Sékou Diakité et du directeur général adjoint du BGDA Saïkou Diallo. Ce droit dont nous payons actuellement est annuel. C'est pourquoi on parle de grand droit. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'apport que l'État fait chaque année en faveur des auteurs. Et cet apport aussi n'est pas aussi gratuit qu'on puisse le penser. Vous savez, les médias publics, quand je prends la RTG, télévision et radio, diffusent les œuvres des auteurs. Donc l'État, pour compenser, essayait de mettre à disposition du BGDA ce grand droit-là, pour que BGDA répartisse aux auteurs. Je voudrais toujours rappeler que c'est sur initiative du ministre de la Culture qu'il y a eu un rehaussement de la redevance de l'État qui est passé de 5 000 à 6 milliards de francs. Mais c'est une première tranche qui va être répartie maintenant. Dès que la première tranche va être évacuée, la deuxième tranche va être mise à disposition et nous la répartirons aussi. Donc chaque année, sous la bienveillance du président de la République, il y a eu 6 milliards qui sont dorénavant affectés au service de la RTG, aux services rattachés pour le paiement des auteurs guinéens dont les œuvres sont exécutées dans les différentes stations. Les artistes venus nombreux pour percevoir leur dû n'ont pas manqué d'apprécier l'attention du président de la transition à leur égard. On est très contents ce matin parce que nous devons recevoir le droit et c'est normal. Parce que cela a duré durant 2 ans et quelques, on n'a pas pris nos droits. Mais si Dieu a fait aujourd'hui qu'on a pris nos droits, on remercie le Tout-Puissant et on remercie l'État en place, le président Mamadi Doumbouya qui fournit l'effort afin de mettre les artistes à l'aise.
On nous a appelés pour venir chercher nos droits. Chacun de nous aura sa part. J'apprécie vraiment le processus du déroulement de cette répartition de nos droits d'auteur. La direction du BGDA a fait beaucoup d'innovations. Les artistes concernés par la répartition du grand droit résidant à l'intérieur recevront leur part dans une dizaine de jours, a rassuré le directeur général adjoint du BGDA. Vous l'espoir de ce journal, les Guinéens ont du mal à digérer l'absence du Sili national à la CAN Maroc 2025 après la défaite contre la Tanzanie ce mardi à Dar es Salaam sur le score d'un but à zéro. L'ancien député guinéen Fodé Mohamed Souma demande de faire table rase de tout pour reprendre avec un nouveau staff technique. Mamadou Tanba l'a rencontré pour nous. Suivez son reportage. C'est une défaite incompréhensible au goût amer du Sili national contre la Tanzanie que n'arrive pas à comprendre l'ancien député Fodé Mohamed Souma. C'est une élimination, une défaite au goût amer. Quand on connaît l'engouement du football en Guinée, c'est le premier sport. Et puis quand on voit aussi, comme vous l'avez dit, 24 équipes qualifiées sans la Guinée, sur un continent, je trouve que c'est inadmissible. Mais bon, ce n'est pas une surprise pour les plus avertis. Parmi les causes réelles de la non-qualification du Sili senior à la CAN Maroc 2025 réside, selon Fodé Mohamed Souma, le manque d'infrastructures sportives qui fait que la Guinée reçoit ses adversaires à l'étranger sans son public. Nous n'avons même pas un stade homologué. Je trouve que c'est inadmissible. Nous n'en avons pas. Et quand on sait que le public est le 12e homme sur le terrain, eh bien, on a vraiment commis des erreurs très très graves. On a fait en sorte de jouer nos matchs à l'étranger, ce qui n'est pas du tout bon pour l'image du pays, parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas des stades couverts, on n'ait pas des stades aux standards européens, mais franchement, stade homologué CAF, je trouve que c'est inadmissible après 66 ans. Pour Fodé Mohamed Souma, cette défaite devait pousser tous les acteurs qui tournent autour de l'équipe nationale de football à démissionner. Une telle défaite, une telle élimination aurait créé un séisme le même jour. Eh bien ici, le ministre est toujours en place, l'entraîneur est toujours en place, les joueurs, peut-être certains sont déjà retournés à leur club. C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse table rase. Parce qu'il y a les qualifications du mondial qui approchent et il n'est pas question que la Guinée soit absente. Pour faire oublier cette contre-performance, Fodé Mohamed Souma pense que la seule option qui reste au Sili est de se qualifier à la Coupe du Monde prochaine. Dans le même registre, Fodé Mohamed Souma demande par ailleurs aux autorités de la transition de tout faire pour obtenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2030. Il estime que cela pourrait aider le pays à se doter d'infrastructures sportives qui répondent aux normes. Regardez. Nous avons perdu l'organisation de la CAN. Eh bien, aujourd'hui, la prochaine candidature, c'est en 2030. Il faut que la Guinée se positionne et je crois qu'elle aura déjà des acquis, des avantages. Parce qu'elle a déjà été remplacée par une équipe. Donc 2030, il faut qu'on organise la coupe ici. Et si on obtient cette organisation, eh bien, on a le temps d'avoir au moins 4 stades ou à défaut, aller en co-organisation avec la Sierra Leone ou le Liberia ou directement avec le Sénégal qui a déjà les structures. Il faut qu'on arrête ce truc de souveraineté c'est inadmissible. On est les Guinéens, on est capable. Non, il y a le résultat qui est là. Aujourd'hui, il faut qu'on ait l'organisation en 2030. Si on n'est pas capable de l'organiser tout seul dans les 4 régions, eh bien, qu'on aille en co-organisation. Propos recueillis par Mamadou Tanouba. Comme annoncé en titre, la Confédération africaine de football CAF a rendu public le nom des 5 joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2024. Et parmi ces nominés, 2 grands favoris se démarquent. Il s'agit du Guinéen Serou Guirassy et du Nigérian Ademola Lookman. Mais avec la défaite du Sili national de Guinée, quelles sont les chances
de Serou Guirassy. Quelques éléments de réponse avec Amanatou Diallo. Cet événement marquera l'apogée des CAF Awards qui se tiendront le lundi 16 décembre à Marrakech. La concurrence est très rude entre Serou Guirassy et le Nigérian Lookman. À la surprise générale, 9 nations dont l'Algérie, la Tunisie, la Guinée, la RDC Congo et le Bénin, pourtant proches du Nigeria, ont omis de voter pour le finaliste de la dernière CAN et héros de l'Atlanta en Ligue Europa la saison passée. Pour la saison 2023, Guirassy avec Stuttgart a été le deuxième meilleur buteur européen en réalisant 30 buts en 30 rencontres. L'attaquant du Sili est prévu pour soutenir son club en Bundesliga et termine vice-champion de l'Allemagne. Avec une brillante saison, le meilleur buteur africain était courtisé par plusieurs grands clubs européens. Mais finalement, Serou Guirassy dépose ses valises à Dortmund. Malgré la rude concurrence dans son nouveau club, le Guinéen n'a pas pris de temps pour se faire une place. Il parvient à inscrire 13 buts en toute compétition confondue. Le Guinéen est actuellement l'homme à tout faire pour le Borussia Dortmund. Guirassy continue de mettre tout le monde d'accord. La sélection nationale était son seul obstacle. Mais finalement, Serou Guirassy retrouve son instinct de buteur. En 3 matchs, l'attaquant du Sili a inscrit 6 buts et avait permis à la Guinée d'avoir une bonne position. L'absence de Serou Guirassy à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 réduira-t-elle la chance du Guinéen à la course au titre du meilleur joueur africain de l'année? La réponse est prévue le 16 décembre 2024. C'est la fin de cette grande édition de nos informations. Merci à tous de l'avoir regardé. L'information continue sur notre site, le www.siaminfo.com. À très vite sur KVTV.